L'hiver antarctique vient de s'installer. Avec la venue du froid, toutes les espèces ont déserté la banquise. Toutes, sauf une. Le manchot. Rien ne peut venir troubler... Et c'était quoi, ça? Revenons à nos moutons. Ou plus exactement, à nos manchots. La période de couvaison vient à peine de commencer. Chaque manchot prend le plus grand soin de son œuf. Le moment du grand départ approche. Cette mère et son oisillon adoptif entament la migration annuelle des manchots qui les conduira vers les eaux nourricières du grand large. Répondant à l'appel millénaire inscrit dans leurs gènes, les manchots commencent leur marche à travers la banquise en ne formant qu'un seul groupe. Durant cette longue marche, les manchots ne s'accordent que de courtes pauses afin de nourrir les plus jeunes. Pour les oisillons plus âgés, l'heure est venue d'apprendre à pêcher tout seul. Il n'est pas rare que les plus jeunes commettent des erreurs. Ils doivent apprendre à faire la différence entre les bonnes et les mauvaises prises. Bien.
bien sûr, il arrive souvent que les manchots adultes ne résistent pas aux cris de leur adorable progéniture. Et comme tout bon parent, il leur concède donc un bon repas. Chaud. La colonie de manchots touche enfin au but. Oui, il est maintenant temps pour les manchots de plonger dans les eaux glaciales et poissonneuses de l'Antarctique. Quatre mois se sont écoulés. Après avoir passé leur temps à pêcher sous la glace pour se constituer des réserves de nourriture, nos chers manchots peuvent donc enfin regagner leur banquise natale et profiter des joies des retrouvailles. Hé chérie, est-ce que tu veux que je prenne des aubergines aussi? Ah! Oh! 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 O
Départ dans 3, 2, 1... Ah!
papa. Tu as déjà mangé assez de sucreries aujourd'hui. Non, maman! Tu l'auras voulu à la poubelle. Oh, maman. Ha ha ha!
Ranger tout ça. C'est moi, c'est ta mamie. Tu m'as raccroché au nez. Désolée mamie, c'est mon téléphone qui capte mal. Ben voyons, mon propre petit fils. Désolée mamie, mais je suis occupée là. On se verra après, d'accord? Bye bye. C'est ça. Après. Ah!
Avec ces caméras, on va pouvoir observer la dérive des plaques de glace depuis le labo. On peut y aller, maintenant. J'aime pas trop sortir en pleine nuit, ça me fiche la trouille. Oh, vous n'êtes qu'une poule mouillée. Passez-moi les piles, pour qu'on puisse en finir. Les piles? Vous allez rire, je les ai oubliées. Je vous assure, patronne, on devrait pas quitter la base après le coucher du soleil. Qui sait quel genre de créature bizarre traîne dans les parages la nuit? Ah, oh, c'est quoi ça? C'est juste Yuri, enfin. On doit se faire livrer la nourriture ce soir. Oh, je le savais. Allô, ici Yuri. Attention, largage. Oh, je hais ce boulot. Ouais, enfin. Ça va nous changer des soupes aux légumes. Qu'est-ce que c'est? C'est vous qui avez commandé ça? Allez, pourvu que ce soit des pizzas. Hein? 3 caisses de croquettes pour chien et une vieille télé qui ne marche pas. Non, oh, Yuri s'est encore trompé de livraison. Vous n'avez qu'à vous consoler en étudiant les relevés atmosphériques, pendant que moi, je sors installer les piles que vous avez oubliées. Patronne, sérieusement, vous sortez seule en pleine nuit? Les relevés, John. Concentrez-vous sur les relevés. Oh, ils attendront demain, les relevés. Je vais me coucher. Eh, pas mauvais.
Traînons pas trop. Ah, la porte n'est pas fermée. John ? Il y a quelqu'un ? Oh, mais que s'est-il passé ? John, est-ce que ça va ? John ! John, si c'est une blague, ça ne me fait pas rire du tout. Mais enfin, qu'est-ce que... C'est quoi ce truc? John, où êtes-vous? John! Non, je dormais pas, je lisais juste les yeux fermés. John, je... Je m'évanouis. Tina? Tina? Ours polaire à Otari Joyeuse! Est-ce que vous me recevez, Otari Joyeuse? C'est le plus beau métier du monde. Précédemment dans les lapins crétins. Ah, c'est quoi ce truc? Je m'évanouis. Tina! Tina! Oh non! Oh non, 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 non! La chose arrive. La chose est en train de se rapprocher. Je ne peux rien voir. Et cette pauvre Gina qui est dehors, quelque part, je dois la sauver. Ça va chauffer. D'un autre côté, si je reste là et que la chose emporte Gina, c'est moi qui deviendrai le chef du labo. C'est
c'est dans la tête. Il suffit de bouger. John va venir me sauver d'un moment à l'autre. Adieu, ancienne patronne. Maintenant, c'est moi le boss. Oh. D'accord, vous avez gagné. Je viens vous chercher. Je devrais peut-être faire des étirements avant. Le froid, c'est dans la tête. Le froid, c'est dans la tête. Il suffit de bouger. John ne va plus tarder. Allô, ici Yuri. Yuri, tu m'entends? Toutes mes confuses pour petite erreur de livraison. Pizza remplacée par croquette pour chien, désolé. Yuri, il se passe des choses horribles ici. Il faut absolument venir nous évacuer. Ah, vous avez dit quoi? Yuri, est-ce que tu m'entends? Oh, pas compris. Est-ce que tu me reçois? Répétez. Oh non, la chose, elle vient pour moi. C'est la fin. Feu d'artifice de ta vie. C'est fantastique, hein? C'est moi qui ai tout fait péter. J'ai détruit la chose. Ça mérite bien une promotion, non? Patronne! John, vous venez de détruire tout ce qu'on possédait? Allô, ici Yuri. Vous avez problème? Besoin de quelque chose? Oh, trois fois rien. Juste une nouvelle station polaire. Oui, et des pizzas. No pepperoni.
C'est toujours moi qui compte les pingouins quand il fait moins 30, hein? C'est quoi ça? On dirait une télé? Ne me dites pas que Yuri m'a livré cette bouse à la place de l'écran HD que j'avais commandé! Oh. Yuri, c'est quoi cette télé qui ne fonctionne pas? Ici les services après livraison de Yuri. Si avoir problème avec frigo, tapez 3. Si avoir problème avec piscine, tapez 4. Si avoir... Si avoir problème avec Griffin, tapez 26. Si avoir problème avec télévision, tapez 31. Mais dites-moi que c'est une blague! Oh! Cette station polaire tombe en ruine. Et dire que je pourrais être bien au chaud en train de regarder la télé. Dana, ici Yuri. Quoi je peux faire pour vous? Naïti coupé. Non, ici Yuri. Non, quoi? Mais des lapins? Non, pas lapin. Ici Yuri. Allô? Allô, allô? Prenez ça! Allô, il y a quelqu'un? Non!
une télé commandée par John. Quoi? Une télé? Simon, vous avez reçu télé? Da? Ouais. Yes? Je l'ai reçu. Peut-être? Parle-moi. Bon.